Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de la pré-saison aujourd'hui. Euh, j'espère qu'on va cette fois avoir les pièces blanches, on croise les doigts. Et en tout cas, on est parti en 10 minutes. La dernière partie n'était pas euh, la plus incroyable qui soit. Merci malgré tout pour vos gentils retours et, et vos commentaires. J'espère que cette série va continuer à vous plaire et on est parti pour se préparer avant la prochaine saison. On va voir ce que nous propose Chesscom. On est en 10 minutes sur Chesscom et on joue contre un 2010. Ah, et on a les blancs. Et je vais donc envoyer ce que je travaille actuellement. Je n'ai pas encore tout exploré, mais j'envoie E4. C'est euh, le répertoire que je travaille le plus actuellement. Et l'adversaire me répond la sicilienne. Alors ce qu'on va faire, normalement je suis censé euh, sur le répertoire que je travaille jouer plutôt des anti-siciliennes ou des variantes plus faciles. Mais comme je n'ai pas encore eu le temps de les travailler, parce que forcément, j'ai d'abord commencé par travailler E4, E5, on va envoyer cavalier F3 et on va ouvrir la sicilienne. Il joue cavalier C6 et je vais jouer D4. Ici, plus tard, je sûrement tendance à jouer plutôt du fou B5, la sicilienne Rosolimo. Mais écoutez, comme je n'ai pas encore travaillé, ça va être l'occasion pour nous de, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ok, il joue A6, donc il empêche les idées cavalier B5, j'imagine, euh, après avoir joué E5. Donc en fait, il voudrait jouer une espèce de de Siciliane Kalashnikov, mais de façon un peu améliorée. Alors là, je ne sais pas trop comment je suis censé réagir. J'ai jamais croisé le coup à 6. Je ne sais pas, en fait, je vais probablement juste me développer. Ça me semble très logique. Ok. Il fait qu'il va aller prendre. Bon, bah, dame prend. Et il envoie B5. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Honnêtement, les amis, je n'ai jamais croisé ça pour l'instant euh, comme, euh, comme ouverture. C'est la première fois qu'on joue ce type de variante. Je ne vais pas trop me prendre la tête. J'ai pas envie de, de passer trois plombes sur la position. Je vais commencer par Fou E3 pour, pour me développer. Et puis, on va voir. Il répond logiquement euh, le Fou en B7. Bon, j'hésite. Fou E2, Fou D3, peut-être Fou E2, tout bêtement. Fou E2, petit rock. Après, je peux aussi grand rock, mais. Les pions sont déjà bien avancés et Grand Rock euh, j'ai peur que ce ne soit pas facile à explorer. Après il y a une idée quand même que, que j'ai en tête là, cest est-ce que je peux pas jouer avec du E4. Enfin du E5 pardon. E5 et prendre l'espace quoi, sur la dans la position, et bloquer le développement naturel du cavalier en F6. Je vais jouer E5. Je vais jouer E5. Ça me semble pas mal. Ça bloque un peu son entrée sur les cases et j'ai très envie maintenant de... Ouais, en fait, quand même... je commence à avoir très envie malgré tout d'envoyer Grand Rock. Hein. On va prendre le temps d'y réfléchir, mais euh... j'hésite. C'est soit Fou E2, quoique Fou E2, ça perd le pion, les amis quand même. Fou E2, ça perd le pion, ça me dérange un peu. Est-ce que je peux pas juste Grand Rock dans la position Ça me semble tellement fort. On va grand, ok, écoutez. Et on appuiera la poussée avec F4. Et en cas de B4, je veux cavalier E4 pour cavalier D6. D'accord. C'est très intéressant. Comment pouvons-nous continuer Comment pouvons-nous continuer j'ai envie de jouer du fou E3 pour ensuite du fou E4, et même s'il se précipite sur le pion, je vais l'échanger, je vais pouvoir enquiller derrière avec du cavalier D6. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner ce pion. Il faut carrément récupérer la tour quand même derrière, c'était pas ce qu'il y a de plus judicieux. Je vais commencer avec cavalier D4, euh, 4 pardon, excusez-moi, et derrière je vais vouloir aller en D6. Pour pouvoir occuper cette case forte là qui me laisse le fait d'avoir poussé le 5, bah j'ai une case forte sur laquelle j'ai envie de capitaliser. Euh, faut voir. faut voir. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le bon choix pratique. Très bien. Bon, là, il menace Matt quand même, hein, il faut le voir. Et puis, on est dans un sale alignement entre la dame et le roi. Malgré tout, je peux probablement juste jouer. Euh... juste jouer ce fou en d3 et en cas peut-être de non ça ne peut, peut jamais marcher non je joue fou d3 je pense tranquillement écoutez je suis un peu dubitatif par rapport à ce que joue l'adversaire mais bon à moi de prouver que c'est pas bon à moi de, de punir l'adversaire dans cette position Évidemment qu'il y avait des 7, enfin, y avait des 7 serait une grosse faute. Là, j'ai quand même. qu'il y avait des 6 qui me tend les bras. Il y peut-être, pourquoi pas, échanger un jour. Hein Mais euh, c'est une décision qui n'est pas facile parce que ça peut impliquer pas mal de choses quand même. Alors, ça, c'est un coup incompréhensible. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu prendre tout bêtement N'aurait-il pas juste voulu prendre le... Ou alors vous pensez qu'il veut simplement protéger C'est peut-être un misclic hein, de la part de l'adversaire. En tout cas, c'est un coup que je ne m'explique pas. Ok. J'ai envie de jouer Cavalier 6. Et en cas de fou prend, j'hésite un petit peu. On va, on va le jouer. Et en cas de fou prend, on va voir. En cas de fou prend. j'ai pas envie de jouer. pas envie de jouer E prend quand même. Mais si je fais dame prend, bon, c'est toujours. Euh, si je vais jouer E prend. Je vais jouer E prend quand même. Et puis comme ça, je vais en profiter pour jouer. Pour lui balancer ensuite du F4, etc. On va faire ça comme ça. Et regardez. Regardez le pion ici. Regardez le pion G7 qui, qui en sursis, les amis, après la prise. C'est pas mal ce qu'on est en train de faire. C'est très très bien, même. C'est une, une jolie partie. C'est une jolie partie. Alors, euh, j'imagine que mon adversaire a peut-être privilégié Dame, Dame B7. Et une Position vraiment compliquée, je pense que E5 a été une bonne idée, et ça je le sais parce que c'est une idée que j'utilise notamment dans ce que je joue sur E4, E5, à savoir l'écossaise. Je vous montrerai des variantes, j'espère pouvoir vous montrer dans la présaison euh, l'écossaise et donc des variantes intéressantes sur, sur celle-ci. Alors là, l'adversaire c'est compliqué, hein. c'est compliqué parce que je menace la dame et je vais aller juste me boulotter sa tour. Globalement, il a pas grand chose à faire. C'est très très difficile. C'est quasiment abandon en fait dans hein, cette position, je pense. Alors il veut jouer peut-être ça. Mais ici, je dois avoir le très fort. Est-ce que j'ai pas juste. Euh... Est-ce que je n'ai pas juste fou des 4 Ou alors dame prend, cavalier prend, fou des 4. Et je gagne une pièce ou la qualité. Quel est le plus fort Est-ce que c'est Fou des 4 maintenant Ouais, parce que Dame prend finalement, on lui développe la pièce. Mais Fou des 4, qu'est-ce qu'il peut jouer Au pire, il peut jouer peut-être euh, quelque chose comme, euh, comme Dame F4 échec. Mais euh, Roi B1. Je vais jouer Fou des 4. Hein. J'ai pas envie, vous voyez, de prendre, même si ça doit gagner une pièce, de prendre et de lui développer le cavalier, parce que pour le même résultat, j'ai la même chose. Je vais réussir à gagner la tour. Et son cavalier est complètement enfermé. Son cavalier ne peut pas aller. Sinon, il est perdu. Son cavalier n'a aucune case. Et là, c'est la partie est écrasante. Et ce qui est très, 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 très dur pour lui, c'est qu'après fou prend ici. Je vais même menacer. Ah. Ok. Bon bah il me laisse là. Il me laisse la tour, je prends. Je ne vais pas me prendre la tête, les amis. J'accepte. J'accepte la tour. Je menace encore le cavalier. Ah, c'est très difficile, là, pour l'adversaire. C'est très difficile. Je vais simplement revenir protéger mon pion. Évidemment, il n'a pas fou prendre non plus parce que j'aurais tour G1 et je récupérerais la pièce. On peut chasser le cavalier bêtement on peut chasser le cavalier tout bêtement ici et derrière que pouvons nous jouer d'intéressant écoutez j'ai pas très envie de, de me compliquer la vie je joue tour g1 et puis je vais l'envoyer g4 je pense mmh. allons pour g4 on a beaucoup d'avance matérielle dans ces cas-là. On peut simplement liquider. Et je menace simplement de prendre et après de pouvoir aller échanger les tours. Enfin même de potentiellement mater s'il ne bouge pas le cavalier. C'est une partie rondement menée. Dans le répertoire que je, vais, que je travaille, on préconise des anti-siciliennes, mais je trouve que c'est tellement agréable d'ouvrir la sicilienne et de jouer des parties variées. C'est certes beaucoup plus dur, ça m'a un travail théorique beaucoup plus important. Mais c'est tellement agréable. Euh, c'est quelque chose euh, auquel je songe beaucoup. On va le tendre un petit piège. On va prendre... Euh, parce qu'on menace mat. Donc s'il se précipite sur la tour, on, on va le mater. Ok. Ok, ok, ok. On va simplement du coup jouer tour 1. J'aurais pu peut-être commencer par tour g8. Bon, écoutez, tout gagne hein, maintenant dans la position. Là, j'attends, j'attends l'abandon de mon adversaire euh, qui devrait euh, se faire sentir euh, d'ici peu. Mais euh, écoutez, j'espère que cette partie sérieuse, j'ai pris le temps de détailler, de vous détailler mes idées. J'espère qu'elle vous plaît. Merci pour tout vos gentils retours. Encore une fois, sur les précédentes vidéos, on est bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, on sera aux 1000 abonnés sur la chaîne. Euh, C'est vraiment énorme. Merci beaucoup. J'ai pris cette résolution là pour la rentrée de vous sortir une vidéo YouTube par jour, sauf cas exceptionnel. Euh, voilà, indépendant de, de ma volonté, mais j'espère que cette cadence vous plaît. J'espère que le format vous plaît, les différents formats, pardon, vous plaisent. Et puis, euh, bah écoutez, j'attends l'abandon de mon adversaire Pasquale, qui, qui est dans la panade qui est dans la panade notre adversaire, c'est pas facile pour lui. Et puis nous, on continue à s'envoler, euh, peut-être jusqu'au 2100 Elo, qui sait, hein, en rapide. Le Blitz, euh, j'essaye de monter le Blitz, mais je, je m'y prends trop de façon récréative, je ne joue pas sérieusement, j'arrive pas. Euh, donc, je compense avec le rapide. En plus, ça a des vertus. pour les parties d'entraînement. Ça me force à jouer euh, d'une façon euh, propre. Et donc, euh, c'est plutôt pas mal. Alors là, par contre, je me demande... Est-ce que je j'ai pas simplement tour échec euh, bon, le seul coup, ça va être 3F8. Suivi de tour prend ici, menace le cavalier. Oh, je me tâte un peu. Tour échec d'abord. On va prendre comme ça. On va liquider un petit peu. Et puis on va aller terminer la partie tranquillement. Bon l'adversaire qui craque complètement, il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas très très intéressant comme fin de partie. Nous voici à la fin de la partie les amis. Je suis désolé, la caméra a encore frisé pendant la game. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon stop habituel et je crois que l'appareil photo et tout, c'est un peu compliqué avec mon petit PC portable. Donc qu'importe, c'est pas très grave. L'adversaire qui s'est arrêté là, hein, qui a laissé passer 5 euh, minutes là, euh, sans abandonner, vraiment un esprit euh, tout pourri, euh, vraiment bien nul. On va faire ce que vous m'avez proposé. Euh, C'est-à-dire qu'on va analyser d'abord sans ordinateur et puis après on regardera le bilan de la partie tranquillement. En termes d'analyse, je pense que ça va aller assez vite. Hein, on a vraiment dominé l'adversaire dans cette position. Et. Vous voyez ce A6 qui me semblait un peu douteux, été 3 qui a été la bonne réponse. Alors Cavalier prend qui est pareil était assez douteux. Là-dessus, j'attendais vraiment un E6 à la rigueur pour pouvoir jouer une espèce de, de canne, une sicilienne canne. Alors B5, c'est un peu tenant. J'avais A4, en effet, auquel j'ai pas songé fatalement. C'est vrai que j'aurais pu juste jouer A4. Bon, moi je me suis développé tranquillou, j'ai pas cherché à trop comprendre. Et E5, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça veut dire aussi des coups candidats Écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais juste je me dis, E5, on empêche. Développement du cavalier, c'est vachement intéressant. Euh, après, peut-être que ouais, à 4 en effet, ça a été une idée qui pouvait être intéressante. Bon, après, à ce stade, je pense que c'était très compliqué. Je pense que mon idée de cavalier 4 était vraiment bonne. -être que Je pouvais peut-être le jouer maintenant, d'ailleurs. Je sais pas, je sais pas ce que ce que pourra en dire l'ordinateur. Je pense que en termes d'évaluation, j'ai pas encore mis le bilan, mais je pense que ouais, il veut toujours a 4 l'ordinateur en effet. Mais je pense quand même que Kavale 4 après était une bonne idée. Alors j'ai commencé par Grand Rock, ça me semble tout à fait logique. Et après avoir joué la tour ici, je pense que le 4, c'était vraiment bien. Alors le meilleur commande' c'était plutôt qu'il fasse fou prend, dame prend et qu'on rentre là-dedans. Mais c'est pas facile. Après le 7 qui va permettre quand même d'avoir des rebonds. Mais il a quand même ça qui est faible. là-dessus, j'aurais probablement joué F4 de mon côté. Je sais pas trop qui il en est autrement. Je pense que fou ici, c'est pas mal. Et là, bon, ben, il me laisse l'opportunité. On a vu l'opportunité tactique quand même qui était importante. Il m'a laissé cavaler des 6. Et à ce stade, la partie est juste terminée. Je ne vais pas pousser plus loin sur l'analyse personnelle. Je pense que là, voilà, c'est complètement foutu. Et fou des 4, qui est un excellent coup. Je regarde l'ordi, mais c'est le meilleur coup. Écoutez, on va, on va passer au bilan de la partie. Et pour ça, je change d'écran tout de suite. Et voilà le bilan de la partie. Et vous le voyez, euh, 92% de précision de mon côté, 70% pour mon adversaire. J'ai vraiment fait une belle partie et je suis curieux. Est-ce que fou d4 c'est euh, ça le bon coup le... Je trouve que c'était un joli coup dame prend, b5. Fou e3 est un gain manqué. Ah oui a4 c'était vraiment l'idée. J'ai loupé a4. J'ai joué pour une autre idée. Bon, il faut mieux jouer un plan qu'on comprend et avoir une idée en tête plutôt que de jouer les coups sans les comprendre. Et c'est vrai que a4 pourtant c'est quand même récurrent dans les cas-là. Généralement on voit a4 avec les blancs et tu te le prends avec les noirs. J'en sais quelque chose. Mais ok, c'était pas mal, coup des 3, qui avait des 6, qui était vraiment un excellent coup. Et là, c'est fin de la partie. Après coup des 4, et la partie, je vous la repasse rapidement, c'est terminé de façon très brève. C'était fini au bout de, de 12 coups. Donc bon. Voilà pour cette partie, ce tout bel épisode -là de, de, de l'après-saison. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!